Unlockdown live. Médical qui encaisse beaucoup, beaucoup. Il y a les premières lignes de la lutte contre la pandémie qui encaissent aussi. Comme au premier confinement, il y a la souffrance de ceux qui travaillent dans l'ombre, mais la boutique, de nombreux indépendants, des salariés aussi. Il y a la souffrance de celles et ceux qui sont dans nos rues, qui sont là dehors et qui n'ont rien. Mais la situation aujourd'hui est sans doute encore pire. Car vous le sentez peut-être, on a dépassé la surprise, on a dépassé la stupeur et le choc du premier confinement. C'est du déjà vu, en gros. Il y a une habitude, un rythme qui s'est installé dans le confinement, qui s'installe encore, et y compris face aux oubliés de la crise, face à celles et ceux qui encaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'incertitude par rapport à la crise du coronavirus est grande, elle est même très grande. Mais il y a une certitude. Peu importe si on a un vaccin ou pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peu importe si on arrive à éviter de nouveaux confinements, les souffrances face à la crise d'aujourd'hui ne disparaîtront pas, parce qu'elles ne sont pas liées que au coronavirus. Ces souffrances, elles sont liées à la manière dont les sociétés fonctionnent aujourd'hui, dont notre société fonctionne aujourd'hui. Le coronavirus, aujourd'hui, amplifie les défaillances de notre société. Il rend évident ce qui, auparavant, était peut-être un petit peu caché. Et cela concerne plein de domaines. La santé, la crise climatique, l'économie et le capitalisme, le racisme et le sexisme, la migration, le fonctionnement de la justice. Voici quelques enjeux dont, coronavirus ou pas, nous devons parler aujourd'hui. Notre chaîne Tout va bien a décidé du coup de relancer, comme au premier confinement, des Unlockdown Live, des émissions live qu'on produit ici. Mais cette fois-ci, le format est différent. On va vous proposer une série d'entretiens avec des personnes qui ont quelque chose à dire par rapport à ces sujets. On fera du mieux qu'on peut, vu que la majorité des gens dans l'équipe ne sont pas journalistes, donc on fait avec les moyens du bord. Tout va bien, pour rappel, se veut être un média citoyen, d'opinion, engagé, avec une posture critique du capitalisme, du patriarcat, du racisme, et qui tente de mettre en avant des grilles d'analyse et des solutions pour dépasser tout cela. Nous n'avançons pas cachés. Nous avons un fil, et nous allons tenter de le suivre dans ces entretiens et dans ces émissions les prochaines semaines et dans les prochaines vidéos. Avant de débuter cette émission-ci, je voudrais remercier quelques personnes. D'abord à la production et à Jérôme et le festival Esperanza, sans qui le projet de Tout va bien n'existerait pas. C'est l'occasion aussi d'assurer Esperanza, mais aussi l'entièreté du secteur culturel, de notre solidarité. Ce secteur se bat pour sa survie, mais pas seulement pour sa survie, mais la survie de celles et ceux qui produisent de l'art et donc qui produisent aussi des émotions et des questionnements qui émergent sur scène ou dans des films. Il me faut aussi remercier les 200 personnes qui nous soutiennent via la plateforme Tipeee et qui soutiennent Tout va bien en versant 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros par mois. Vous nous permettez, vous tous et toutes, de poursuivre une aventure à l'heure où la transparence sur qui parle et en quel nom sur les réseaux sociaux pour défendre quoi n'a jamais été aussi fragile. Merci aussi à ceux qui bossent dans l'ombre, à JB, Nicolas et Brice. Merci aussi au réseau ADES de nous accueillir dans nos locaux, dans leurs locaux, et de mener des combats à Bruxelles. Merci aussi à toutes les pages Facebook qui cross-postent la vidéo aujourd'hui, dont le magazine Pour. Aujourd'hui, nous allons parler santé et sécurité sociale, et pour cela, nous recevons Clarisse Van Tichelen et Fanny Dubois. Et on va commencer avec Clarisse sur la sécurité sociale. Jingle. Unlockdown live. J'espère que vous appréciez le jingle, il est généralement super beau. Clarisse, bonsoir Clarisse. Est-ce que tu pourrais te présenter à celles et ceux qui nous écoutent et dire aussi donc, qui tu es et d'où tu parles, parce que c'est important de savoir. Ouais. Du coup, moi je suis économiste, je travaille au service d'études et de formation de la CNE. La CNE, c'est la Centrale Nationale des Employés, donc une des centrales de la CSC, donc autrement dit, je suis syndicaliste. Donc c'est depuis là que je parle, c'est avec aussi les valeurs de solidarité, de réduction des inégalités sociales et globalement de défense de la sécu. Et donc c'est de ce point de vue-là situé que je vais vous parler de la sécu ce soir. Trop bien. Alors, de manière générale, les gens voient l'objet sécurité sociale de manière un peu floue.
Mais tout le monde le vit au quotidien de manière assez ciblée, soit en recevant une allocation de chômage, soit en recevant une allocation de pension, une allocation familiale, souvent en recevant une prestation sociale ou en allant à l'hôpital et aux soins de santé. Pourtant, on voit le résultat, on sent le résultat, mais la machine derrière, c'est globalement super nébuleux pour les personnes qui nous écoutent. Et est-ce que tu pourrais simplement essayer de définir qu'est-ce qui rentre dans la machine et qu'est-ce qui en sort du coup pour les personnes qui nous écoutent? Ouais. Bon, du coup, l'idée, c'est un peu de faire une photo de qu'est-ce qui rentre, quels sont le financement, comment est-ce qu'on finance la Sécu et puis à quoi elle sert. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la Sécu? D'abord, pour avoir une idée de en fait, combien d'argent il y a dans la sécurité sociale. Ici, j'ai des chiffres de 2018, mais donc on peut dire qu'il y a environ un peu plus de 100 milliards d'euros par an qui rentrent dans la sécurité sociale, 104 pour être exact. Alors, à quoi ça correspond 104 milliards? En fait, c'est environ 26% du PIB, donc un quart de la richesse qu'on produit chaque année en Belgique sert à financer la Sécu. Ça vous donne une idée de quel budget c'est de la Sécu. Un quart de la richesse, bah, c'est pas rien, quoi. Alors, d'où provient l'argent? Il vient de trois grandes sources. Alors, d'abord, peut-être dire que dans la sécurité sociale, il y a trois régimes différents. Donc, il y a soit vous êtes salarié, soit vous êtes indépendant, soit vous êtes fonctionnaire. On ne cotise pas de la même manière en fonction qu'on soit salarié, indépendant ou fonctionnaire. Moi, je vais principalement vous parler de la sécurité sociale des salariés, parce que c'est celle que je connais. Mais c'est le gros bloc de la Sécu. Donc, sur ces 100 milliards dont je vous parlais, 70 milliards, c'est la sécurité sociale des salariés. Donc, on peut y voir les grandes tendances de la Sécu là-dedans. Donc, quelles sont ces sources de financement pour cette sécurité sociale des salariés? La première grosse source de financement, c'est les cotisations sociales. Ça représente un peu plus de trois quarts du financement de la Sécu. Alors, les cotis, qu'est-ce que c'est? Il y a une partie des cotis que vous voyez, à mon avis, très clairement. C'est quand vous avez votre fiche de salaire brut qui arrive à la fin du mois. Vous avez votre salaire brut, et puis après, vous avez une ligne qui s'appelle cotisation sociale personnelle, et ça prend une partie de votre salaire qu'on vous mettez dans le pot commun de la Sécu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations sociales, ça, c'est une partie des cotisations sociales, mais la plus importante partie, en fait, on la voit pas. C'est les employeurs qui, directement, quand ils vous versent votre salaire brut, mettent aussi une portion de ce salaire directement dans le pot commun de la Sécu. Et donc, vous voyez pas que ça passe par votre salaire brut, mais en fait, c'est aussi une partie de votre salaire qu'on a décidé de gérer collectivement et de mettre dans le pot commun de la Sécu au lieu d'abord arriver dans notre poche. C'est pas sur la fiche de paye, quoi. Donc, c'est pas sur la fiche de paye, mais c'est quand même du salaire. Et donc, ça, c'est important de garder en tête. C'est quelque chose qui est invisible, mais en fait, qui permet à ce que la Sécu fonctionne et qui est vraiment une partie de notre salaire. Donc, quand on réduit ces cotisations sociales-là, ben, en fait, on réduit le salaire des travailleurs et des travailleuses. Mais on y reviendra sans doute après. Mais donc, ça, c'est la principale source de financement. Ce sont ces cotisations sociales. Deuxième source de financement, c'est ce qu'on appelle le financement alternatif. Donc ça, c'est une part des recettes de la TVA et du précompte mobilier. Le précompte mobilier, c'est un impôt sur les revenus du capital qui sont directement affectés aussi à financer la Sécu. Ça, c'est 13% du financement. Et puis après, on a les dotations de l'État. Ça, c'est simplement un pourcentage du budget de l'État qu'on file à la Sécu, notamment souvent pour rééquilibrer les comptes. S'il y a un déficit, l'État va venir combler le déficit. OK, donc ça, c'est pour qu'est-ce qui rentre dans la Sécu? Principalement les cotisations sociales, donc en fait une partie de notre salaire. Ensuite, un peu d'impôt de TVA, de précompte mobilier et un peu d'impôt. Ça va? Okay. Alors, on vient aux dépenses. Donc dans les prestations de sécurité sociale, souvent on a l'idée que la Sécu, bah, ça finance le chômage. Et certains disent, ouais, mais moi j'ai un bon CDI, j'ai un bon diplôme, j'aurais jamais besoin du chômage, donc ça me fait vraiment chier d'aller cotiser pour la Sécu. Ça, c'est vraiment un stéréotype qu'il faut déconstruire, parce que dans ces 70 milliards de sécurité sociale, en fait, les deux grosses dépenses, c'est d'abord les pensions, 26 milliards, et les soins de santé, un peu plus de 25 milliards. Donc en fait, c'est des choses qu'on utilise chacun un jour dans notre vie. Avoir une pension, on en aura besoin à un moment. Les soins de santé, tout le monde a besoin de remboursement de soins de santé ou de médicaments. Les autres prestations de Sécu, c'est tout ce qui concerne les indemnités maladie, l'incapacité de travail. Donc, quand vous pouvez plus aller bosser, vous recevez un pourcentage de votre salaire, puis le chômage et puis les allocations familiales. Voilà. OK. Bah, c'est super clair. Juste, j'en profite pour signaler à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, si vous avez des angoisses existentielles sur la Sécu ou sur les soins de santé, S'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires de la vidéo, à poser des questions. Jérôme, qui est en studio là derrière, avec ses nouvelles lunettes, fera fort de vous lire et d'essayer de nous recommuniquer les questions plus tard et on essaiera d'y répondre dans la suite de l'émission. Dans le même ordre d'idée, si vous avez un oncle ou un cousin ou une cousine qui ne comprend rien à la Sécu, aux soins de santé, taguez-le en commentaire, partagez-le sur sa page, j'en sais rien, mais faites en sorte que la vidéo soit diffusée. Voilà,
Du coup, on vient de faire le point sur qu'est-ce qui rentre dans la sécurité sociale avec beaucoup de cotisations, qu'est-ce qui sort, c'est des prestations que les gens... le gros truc que tu disais, c'est les soins de santé et les pensions. On reviendra sur les soins de santé avec Fanny plus tard. Il y a quand même un truc qu'on entend régulièrement... Enfin, ça passe tout le temps à la radio et à la TV, mais donc ces derniers temps, depuis la crise de 2008, même déjà avant, il y a ce qu'on appelle les politiques d'austérité que les gens subissent au quotidien. Et donc, ça a un impact sur la sécurité sociale. Mais du coup, quelles sont les grandes tendances? Qu'est-ce qu'on constate, que ce soit sur le truc du financement dont tu parlais ou que ce soit sur le truc des prestations dont tu parlais? Est-ce qu'on remarque des tendances d'un côté ou de l'autre de la machine, en gros? Ouais, donc sur le financement, il y a deux grosses tendances. Une tendance où on voit vraiment l'impact du gouvernement Michel et une tendance qui est là depuis une vingtaine d'années. Alors, la première tendance, donc, c'est vraiment que le financement depuis 2016, donc entre 2016 et 2019, a stagné. Donc, ça veut dire qu'on est dans une enveloppe fermée où le financement de la sécurité sociale n'augmente plus. Ça, c'est le gouvernement Michel. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on remarque depuis le gouvernement Michel. Avant, il augmentait d'environ 3% par an entre 2000 et 2015. Et puis, avec le gouvernement Michel, il a arrêté d'augmenter. Deuxième tendance, mais là qui précède le gouvernement Michel et qui est plutôt depuis les années 2000, c'est que la part des cotisations, donc le montant des cotisations qui financent la Sécu diminue, et aussi donc la part du coût des cotisations diminue dans la sécurité sociale. Donc il y a un shift. Avant, la sécurité sociale était financée majoritairement, mais quasi à 100% par des cotisations sociales. Maintenant, le rôle des cotisations sociales diminue au profit du financement alternatif ou des dotations de l'État, donc au profit de l'impôt. Et donc on passe, donc si on avait 100 euros qui rentraient dans la Sécu, si on a 100 euros qui rentrent dans la Sécu, avant il y en avait, je ne sais pas, moi, tu disais 100 et puis 80, puis maintenant 70, ouais. Ou 60, j'en sais rien, et puis le reste maintenant c'est plus des cotisations, c'est de l'impôt. Ouais, c'est de l'impôt. Okay. Alors pourquoi ça c'est un problème? C'est un problème pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que l'impôt, notamment la TVA, qui est une grosse partie de la source d'impôt qui vient financer la Sécu, c'est un impôt qui est régressif. Donc ça veut dire que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, sur votre coca chédelaise, vous allez payer le même montant de TVA. Okay? Donc ça veut dire que si vous avez un salaire plus bas, ben, vous payez en fait proportionnellement plus d'impôts pour votre coca que si vous avez un haut salaire. Donc l'impôt est moins redistributif que les cotisations sociales, où en fait les cotisations sociales, au plus vous avez un gros salaire, au plus vous allez cotiser à la sécurité sociale. Donc ça diminue, c'est un impôt qui est moins redistributif ou qui augmente plutôt les inégalités. Ça c'est un premier problème avec ça. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, avant, vu que c'était les cotisations sociales qui étaient la principale source de financement, ben, c'était les interlocuteurs sociaux, donc les patrons et les syndicats, qui décidaient beaucoup de la sécurité sociale. Je t'arrête parce que c'est un peu nébuleux pour ceux qui ne sont pas versés dans le truc. Là, tu parles d'interlocuteurs sociaux qui gèrent la Sécu. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que peut-être qu'il faut expliquer ça aussi. Donc, les institutions de sécurité sociale, donc que ce soit l'ONSS, l'ONEM, etc., enfin, en gros, les institutions qui gèrent le budget de la Sécu, c'est des institutions qui sont paritaires. Donc, ça veut dire qu'elles sont gérées pour moitié par des patrons, pour moitié par les syndicats. Et donc, c'est ce rôle-là qui est remis en question. Si on augmente l'impôt dans le financement de la sécurité sociale, ça veut dire qu'on diminue le rôle des interlocuteurs sociaux, patrons et syndicats, au profit de l'État. Pourquoi est-ce que ça, c'est un problème? Ça veut dire que la Sécu, elle est beaucoup plus tributaire des arbitraires politiques, des changements de majorité. D'une logique de court terme. Donc d'une logique court-termiste et partisane, on va dire, alors qu'avant, c'était plutôt une logique de concertation sociale de gens qui gèrent la vie économique du pays, quoi. Okay. C'était dans ton schéma où tu expliquais on avait le gouvernement Michel et puis tu es remonté aux années 2000. Ouais, donc sur ces grandes tendances, pourquoi les cotisations sociales diminuent, je pense que c'est important. Okay. Donc il y a un peu trois choses qui expliquent pourquoi les cotisations sociales diminuent. La première chose, c'est qu'en Belgique, on a une loi qui encadre les augmentations de salaire. On en parlera probablement dans une prochaine émission. Mais donc, nos salaires... Sur l'économie, on aura une émission sur l'économie, donc c'est possible qu'on parle de ça à ce moment-là. Et donc, cette loi, elle empêche que nos salaires augmentent de manière importante. Or, comme je vous expliquais, comme les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire qui finance la Sécu, si nos salaires n'augmentent pas, ben, les cotisations sociales n'augmentent pas non plus. Donc ça, c'est un problème. Deuxième chose, on est, depuis les années 2000, dans des politiques de réduction des cotisations sociales. Donc on va diminuer la part de cotisations sociales qu'on doit payer sur notre salaire. Et ça, ça a été super fort augmenté par le gouvernement Michel. Et donc, on diminue en fait le financement de la Sécu en faisant ça. Et la troisième chose, c'est tout ce qui concerne les avantages extra-légaux.
Ces avantages extra-légaux, c'est quoi? C'est les voitures de société, les chèques repas, les éco-chèques, votre deuxième pilier de pension, votre assurance hospitalisation, bref. Plein de gens qui, en plus de leur salaire brut, ont une série de rémunérations en plus de leur salaire. Et toutes ces rémunérations-là, elles ne sont pas soumises au même taux de cotisation sociale, donc elles ne contribuent pas autant à la Sécu. Mais ça, c'est formes de rémunération. Tout le monde n'a pas une manuelle de société. Évidemment. Donc ces formes de rémunération, elles sont problématiques parce que, un, en fait, on augmente le recours à ces formes de rémunération. Donc il y a de plus en plus d'argent qui est mis dans ces formes de rémunération pour rémunérer les travailleurs. Et donc on sait qu'elles financent pas la Sécu. Et deux, elles sont super inégalement réparties. C'est principalement des hauts salaires, beaucoup plus les hommes que les femmes, etc. Donc c'est aussi beaucoup plus inégalitaire, quoi. Ok. Alors ça, c'était les tendances sur le financement. Je passe sur les dépenses. Bah, si on peut avoir quelques éléments qui selon toi, de nouveau, montrent qu'il y a des tendances lourdes en termes de... Là, on a vu, donc tu expliques en termes de financement que les cotisations se fracassent la gueule, que les salaires n'augmentent pas assez, qu'il y a des formes de salaires de plus en plus inégales dans l'économie. Est-ce qu'on a des constats un peu de long terme similaires au niveau des dépenses? Au niveau des dépenses, les constats qu'on peut faire, c'est que clairement, le gouvernement Michel a imposé une politique d'austérité dans les dépenses de sécurité sociale. Donc on a obligé plein de parties de la Sécu à faire des économies. Dans les soins de santé, mais j'imagine que Fanny en parlera, mais aussi dans les pensions, dans le chômage, on a restreint en fait les prestations, quoi, soit en diminuant le nombre de personnes qui en ont droit, soit en ne faisant pas assez augmenter le montant des prestations. Mmh. Et donc aussi, pour avoir un chiffre clair, entre 2016 et 2019, en fait, les dépenses hors inflation ont même diminué. Donc ça veut dire qu'on a diminué en vrai les prestations de la sécurité sociale, quoi. Okay. Et donc on diminue l'enveloppe de la Sécu, quoi. Ok. Donc okay, super. Ben moi j'étais très clair. Est-ce que Jérôme, il y a des questions qui émergent sur le réseau social, sur les internets, sur cette question-là? Ok. Alors juste une petite question pour le moment de la part de Jonathan. Si on est domicilié en Belgique, mais employé sur un contrat suisse, par exemple, est-ce qu'on cotise encore pour la sécurité sociale en Belgique ou bien en Suisse? C'est une bonne question. Merci, Jonathan. A priori, on cotise en Suisse. Parce que c'est ton salaire vient de la Suisse, et donc c'est les règles suisses qui s'appliquent sur comment est-ce que ton salaire cotise ou pas à la Sécu, quoi. Et donc il y a à la fois, donc il cotise en Suisse et les prestations sont a priori liées à la Suisse. Pension sont celles qu'il aura acquises en Suisse, quoi, ou la personne aura acquises ouais. en Suisse. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'autres angoisses existentielles ou questions techniques. Et il y a une question, je ne sais pas à quoi elle fait référence, donc si vous ne savez pas non plus, ça va être compliqué. Mais donc, à un moment, probablement, Clarisse a dit « l'argent prélevé est invisible ». Et donc, il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que c'est invisible, cet argent prélevé? Ça, c'est une bonne question. Donc, votre patron, il vous verse votre salaire brut, et puis en plus, il verse un pourcentage du salaire brut en amont à la Sécu. Et c'est vrai que ça, on le voit pas. On pourrait très bien, une revendication, ça pourrait très bien dire, en fait, il faudrait qu'on le voit sur notre fiche de paye, parce que du coup, ce serait beaucoup plus clair que ce soit une partie de notre salaire qui aille directement à la Sécu, alors que là, en effet, c'est invisible, quoi. Mais ça, c'est historiquement, ça a été décidé comme ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne revendication à avoir, parce que ça permettrait aussi de relégitimer la Sécu si on voit qu'en fait, sinon on a parfois l'impression que c'est pas une partie de notre salaire, ça, alors qu'en fait c'est complètement ça qui se passe. Et donc ça permettrait de clarifier les choses, quoi, si on le voyait sur notre fiche de paye aussi. Très bien, merci Clarisse. On va passer peut-être du coup à une deuxième. On retrouvera Clarisse tout à l'heure pour un enjeu sur la sécurité sociale. On va passer à la deuxième partie de l'émission sur les soins de santé. Jingle. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Ben oui, à l'aise. Non, ça va. Alors, est-ce que le jingle est fini, Nicolas? Oui, Nicolas n'est pas doué de la parole. Nicolas qui fait la régie pour le moment. Re-bienvenue à tout le monde sur le Facebook Live. Je ne sais pas combien est-ce que les gens sont sur 254 exactement. 254. Le 255e aura une réduction de son confinement la nuit, là, comment on appelle ça? Le couvre-feu. Il pourra sortir à partir de minuit et pas à partir de 22h. On ne garantit pas vraiment qu'il ne sera pas arrêté par la police, que nous saluons aussi malheureusement. Alors, la deuxième partie de l'émission est sur la santé. Clarisse vous a esquissé les tendances en matière de sécurité sociale. Elle a expliqué
qu'est-ce qui rentre dans la sécurité sociale, qu'est-ce qui en sort. Elle a expliqué les tendances de fond dans ce qui rentre et dans ce qui sort. On va prendre maintenant un petit bloc de ce qui sort, enfin un petit bloc, un gros bloc, un quart de ce qui sort, qui est la santé, et on va essayer de l'analyser avec Fanny. Fanny, bonsoir. Est-ce que tu peux, comme Clarisse, expliciter d'où est-ce que tu parles, qui tu es, pour que les gens qui t'écoutent là maintenant, les 255 personnes qui t'écoutent maintenant, sachent qui tu es? Alors, moi, je suis secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Donc, la Fédération des maisons médicales, c'est un mouvement, enfin, les maisons médicales, c'est un mouvement alternatif qui défend une politique de santé différente de celle qui est menée à l'heure actuelle. C'est un mouvement qui a plus de 40 ans, donc qui commence à bien grossir, à bien savoir se faire entendre. Ok, voilà. Cool. Alors, on va parler des soins de santé. Peut-être que ça serait intéressant de savoir... Là, Clarisse, elle a expliqué comment est financée la Sécu en général sur base des cotisations. Est-ce qu'il y a des questions liées au financement des soins de santé qui sont particulières aux soins de santé? Si oui, bah, ce serait cool peut-être de les expliciter pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça, c'est encore peut-être plus nébuleux encore quand on rentre dans un hôpital, qu'est-ce qui se passe. Et du coup aussi, savoir comment ça se passe de nouveau, qu'est-ce qui sort de la machine dans les soins de santé. Ça peut prendre plein de formes différentes, des médocs, des médecins, enfin voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu cet énorme bloc santé qu'on voit tous un peu... Ok, comment la santé est financée, quoi. Ouais. Ouais. Donc effectivement, Clarisse l'a bien expliqué, la sécurité sociale, c'est un gros pot commun et une des branches de la sécurité sociale, c'est la santé. La santé, ça nous concerne toutes et tous. Et donc c'est d'ailleurs une des branches de la Sécu qui se dit universelle. Donc on a un droit universel en santé en Belgique. Plus de 99% de la population a accès à l'assurance maladie-invalidité. Donc cette assurance maladie-invalidité, c'est quoi? En fait, il faut peut-être revenir au 19e siècle, dans les caisses de secours mutuelles. Donc c'était des petits collectifs d'ouvriers qui se rendaient compte qu'en fait, au plus on mutualisait pour faire face au risque de la maladie, au moins c'était risqué, en fait, face à au niveau des impacts sur le revenu de l'ouvrier. Oui, petit à petit, argent dans un pot commun et le collectif supportait beaucoup mieux donc les risques de santé. Et petit à petit, ces caisses de secours mutuelles, ben, elles ont grossi jusqu'à devenir justement cette assurance maladie-invalidité obligatoire auquel l'ensemble des citoyens ont droit aujourd'hui. Et donc, le financement, en gros, c'est 76% financé par la sécurité sociale et 24% financé par le portefeuille du patient. Okay. Alors, il faut savoir que ces 24%, c'est quand même assez élevé par rapport à d'autres pays limitrophes. L'Allemagne et la France, on tourne plus autour de 15%. Okay. Donc voilà, on dit souvent que notre assurance maladie à invalidité, elle est universelle, elle est solidaire. Mais on se rend compte quand même qu'en termes d'accessibilité, et de plus en plus de patients qui doivent renoncer à leurs soins de santé pour des raisons financières. Parce qu'ils doivent payer de leur poche, en plus. Il y a quand même une partie, effectivement, tout n'est pas remboursé. Hein, cette assurance maladie invalidité, elle rembourse certains soins, une bonne majorité des soins, mais il y a des arbitrages aussi. Hein, c'est quand même, c'est politique, hein, ce qui se négocie. Et peut-être, alors c'est cool, parce que ouais. Donc là, on sent bien que quand on se pointe chez le médecin... Il y a une partie qui est remboursée par l'assurance maladie-invalidité et puis l'autre partie qui est payée par les gens. En fonction des endroits où on va, cette partie-là qu'on doit payer de notre poche est grande ou en fonction des soins qu'on a, elle est grande. Comment est-ce qu'on sait que tel truc, on va quasi rien payer et tel autre truc, on va payer quand même la blinde? Voilà, mais effectivement, ça, c'est lié à un historique autour des concertations sociales à l'INAMI. Donc l'INAMI, c'est le gros organisme qui gère la branche santé de la sécurité sociale. Et au sein de ce gros organisme, vous avez toute une série de commissions par secteur. Donc vous avez d'un côté les dentistes, les kinés, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, etc. Le système de santé, il est aussi organisé en lignes de soins. Bon, ça fait un peu militaire, hein, de parler de lignes de soins. Et donc, vous avez la première ligne de soins, la seconde ligne de soins. La première, c'est votre médecin généraliste, votre psychologue, votre kiné. La seconde, c'est plutôt les spécialistes, donc le secteur hospitalier. Et on constate déjà qu'entre ces lignes de soins, c'est sûr qu'il y a des parts de remboursement qui sont différentes. Okay. Et des parts de paiement par la poche du patient qui sont différentes aussi. Donc, par exemple, si vous arrivez dans un hôpital et que vous devez vous faire
une intervention chirurgicale. Si vous êtes dans une chambre individuelle, c'est ce qu'on appelle le supplément d'honoraire. Donc, ce qui coûte à la poche du patient peut être très, très, très élevé. Et donc ça, effectivement, il faut faire très attention parce qu'on constate de plus en plus une médecine à deux vitesses au sein des hôpitaux qui s'opère parce que, comme Clarisse l'expliquait tout à l'heure, la tendance, c'est quand même à l'austérité, et donc à faire des économies. Et donc, du coup, au plus on fait des économies, au plus ce qui est payé par la poche du patient risque d'augmenter. Et donc, tu dis qu'il y a des arbitrages qui sont faits dans l'assurance maladie invalidité pour justement dire, OK, cette année, on va gérer X milliards. Ces X milliards, ils vont aller dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, aux médecins généralistes, aux dentistes, aux soins infirmiers. Il y avait encore les infirmiers, il y avait encore des associations sociales aujourd'hui dans la rue pour réclamer. Comment est-ce qu'on fait ces arbitrages entre les différents intérêts? Comme expliquait Clarisse tout à l'heure par rapport à la négociation patron-syndicat, en fait, au sein de l'INAMI, vous avez toute une série de négociations entre mutuelles et prestataires de soins. Et qui défend quoi alors dans ça? Alors, les mutuelles, normalement, elles sont censées défendre l'intérêt général et les patients. On se rappelle, la petite caisse de secours mutuelle, le collectif d'ouvriers. Et donc, de lutter contre les inégalités sociales de santé, etc. Et puis, les prestataires de soins. Donc là, vous avez des représentants des médecins spécialistes, des représentants des infirmières, des représentants des médecins généralistes, etc. Mais là, effectivement, on constate que il y a des rapports de force. Donc certains acteurs ont quand même beaucoup plus de poids. Et d'ailleurs, au fil du temps, ces dernières années, par exemple, on constate qu'un des gros acteurs qui a de plus en plus de poids, c'est le Big Pharma, donc l'entreprise pharmaceutique. Alors ça, si tu veux, non seulement il y a les logiques d'austérité qui réduisent le gâteau, donc on constate quand même qu'au niveau de la norme de croissance, pour répondre aux besoins, on ne dépense pas assez par rapport aux besoins. Donc ça, il y a le bureau du plan qui démontre quand même à quel point les besoins, ça, pourquoi ils augmentent, c'est la démographie, le vieillissement, et alors les nouvelles technologies médicales, la recherche qui augmente, etc. Cher. Et donc tout ça coûte cher au fil du temps. Et c'est vrai que ici, ces dernières années, on a constaté qu'on était passé d'une norme de croissance pour répondre aux besoins de 4% à 1,5% sous Maggie de Blocq. Donc Maggie de Blocq, elle a vraiment rapetissé, non seulement elle a rapetissé le gâteau, donc il est de plus en plus maigre ce gâteau, mais en plus, les parts du gâteau, elles sont dispersées de manière inéquitable. Okay. Par exemple, ce Big Pharma, on a vu une croissance de ses dépenses de sécurité sociale. Donc, il faut savoir que c'est un marché économique lucratif, le Big Pharma. On a vu ses dépenses augmenter de 7%. Il y a eu un dépassement sous Maggie de Blocq de la part du Big Pharma de plus ou moins 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est quand même assez énorme. Alors que le pot commun général, il a augmenté que de 1,5%. Et donc ça se fait évidemment au détriment de secteurs plus vulnérables, comme par exemple les maisons médicales. Nous, on en a bavé sous Maggie de Blocq. Pendant 2 ans, on n'a pas pu ouvrir de nouvelles maisons médicales. Et donc le gâteau est stable ou rétréci en fonction de si on regarde les montants qu'on lit ou les montants réels. Donc il est comme ça. Et puis après, dans ce gâteau qui n'augmente pas assez vis-à-vis des besoins, pas à cause du vieillissement de la population, comme tu le dis, on a des parts qui se reconfigurent différemment en fonction du rapport de force des différents acteurs. Voilà. Et le pharma a été chopé une partie du gâteau plus grande. Voilà. Et donc, c'est aussi la démonstration que cette concertation sociale dont parlait Clarisse tout à l'heure, elle est mise à mal de plus en plus, parce que depuis 1994, en fait, le gouvernement, et donc ses arbitrages politiques court-termistes, a un droit de veto sur la négociation du budget à l'INAMI. Okay. Donc, jusque-là, on était avec les partenaires sociaux qui définissaient des budgets sur base des besoins qu'ils pouvaient constater. Donc, vous aviez toutes ces petites commissions qui ramenaient les besoins et donc la demande d'augmentation budgétaire vers le Conseil général de l'INAMI, où normalement, c'est là que se fait la concertation sociale. Vous avez des syndicats, des mutualités et les prestataires de soins représentés. Et dernièrement, Maggie de Blocq, effectivement, elle a utilisé ce droit de veto qui normalement ne peut être utilisé que quand les partenaires sociaux ne trouvent vraiment pas d'issue dans la concertation sociale. Elle a utilisé son droit de veto plus de 3 fois, donc c'est presque plus que prévu dans toute une législature, pour dénier vraiment la concertation sociale. Et donc là, d'habitude,
dans, autour de cette table au Conseil Général où on a les syndicats qui défendent le personnel des hôpitaux et qu'on paye le personnel de manière générale, on a les mutuelles qui sont censées défendre les intérêts des patients pour pas les inégalités. On a le, rappelle-moi le troisième acteur. C'est les prestataires. Les prestataires de soins qui sont les médecins et les différents secteurs de soins. Là, ils se mettent tous ensemble d'accord sur comment on affecte le budget. Sauf qu'entre-temps, on a Maggie Debloc qui arrive sur la table et qui dit, moi, je mets mon veto, je considère qu'on doit faire des économies là-dessus. Dans la branche santé de la sécurité sociale. Et donc, la norme de croissance, elle ne sera pas de 3%, comme vous avez tendance à le démontrer, mais d'un et demi pour cent. OK. Et ça, c'est des tendances récentes. Et en plus de ça, elle accepte de flirter avec les lobbying pharmaceutiques ou d'autres types de lobbying pour qu'il y ait des transferts de ce financement vers ces gros postes. Et donc ça, ça se fait clairement au détriment de secteurs beaucoup plus discriminés qui d'ailleurs sont même pas représentés au Conseil général de... Comme par exemple, mon secteur n'est pas représenté dans ces... Voilà. Peut-être que aides-soignantes. Oui, les aides-soignantes. Peut-être que tu, avant d'aborder le parce que là on parle du passé, les grosses tendances générales, avant de passer à aujourd'hui, et peut-être on va en parler, juste avant de faire cette transition vers aujourd'hui, juste parlons un peu des maisons médicales, moi je suis pas sûr que ce soit si clair que ça pour, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ça change d'aller, de se pointer chez un médecin généraliste dans un hôpital, et de se pointer dans une maison médicale dans un quartier? De toute façon, à l'hôpital, vous êtes clairement sur du curatif. Le curatif, c'est-à-dire que tu t'es pété la jambe, tu crèves de mal, il faut absolument qu'on te foute un plâtre. Voilà, ça c'est le curatif, ou t'es dans une phase d'un cancer où il faut absolument que on t'opère. Voilà. Alors en maison médicale, on va pas dire qu'on fait que du préventif parce que c'est de la médecine générale, donc tout un chacun, un médecin généraliste, enfin pas que. En fait, même la première ligne de soins n'est pas toujours accessible. Mais c'est vrai que nous, dans notre logique de maison médicale, on se rend compte en fait que au plus on rend les soins accessibles, au plus on est en capacité de faire du préventif et d'agir sur ce qu'on appelle les déterminants de santé. Alors c'est quoi les déterminants de santé? C'est par exemple les conditions de travail, c'est par exemple la qualité de l'alimentation, c'est l'activité physique, des choses comme ça qui sont évidemment déterminées socialement aussi. Hein. On se rend compte que les environnements sociaux plus populaires, plus vulnérables, eh ben clairement ils ont une espérance de vie en bonne santé moindre que les environnements plus riches. Et donc c'est vrai qu'ici en maison médicale, on est très très sensible à cet aspect de promotion à la santé, à cet aspect préventif. Et ça, c'est sûr que dans le système de santé, si on constate les chiffres, on constate qu'en fait, le système de santé est essentiellement basé sur la médecine curative plutôt que préventive. Okay. Donc, en Belgique, c'est 2% du budget qui est alloué au préventif. Et encore, ce préventif, c'est surtout justement toutes les préventions qu'on fait à l'hôpital, cancer du sein, etc. Et pas du tout sur tous ces déterminants plus sociaux. Et quand on compare ça aussi à d'autres pays, on se rend compte que le pourcentage qui est dédié au préventif, en fait, en Belgique, il est très minime. Donc, en maison médicale, c'est vrai qu'on est sensible à ces aspects-là. Il est évident qu'aussi en maison médicale, notre mode de financement, c'est un mode de financement forfaitaire. Donc, les personnes qui rentrent en maison médicale, elles doivent pas payer leurs soins de leur poche. Ça veut dire que tu arrives, tu te fais soigner et tu repars. Mais c'est ça. C'est un dispositif qui part du principe que au plus on est accessible, au plus on peut faire du préventif, au moins du coup ça coûtera au niveau du curatif, donc au niveau de la seconde ligne de soins. Et ça, plusieurs études le montrent, hein, que notre secteur est plus accessible, mais aussi qu'il permet de désengorger les urgences hospitalières. Ok, ça me semble super clair. Enfin, je sais pas. Jérôme. Oui, super. Clarisse, si tu me lances sur les maisons médicales, il est évident que je peux te dire encore mille autres trucs. Mais malheureusement, l'émission est censée durer. On m'a dit que je devais respecter impérativement le timing. Jérôme, d'ailleurs, timing, on en est où là? On est à 35 minutes. Oh, c'est incroyable, je gère le timing incroyablement bien. C'est une blague. on va passer à la... Donc là, on a brossé un peu le tableau des soins de santé de manière... Les tendances récentes, enfin, moyen terme et court terme. Parlons peut-être aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement avec Alexander De Croo à la barre et Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé. On a un nouvel accord de gouvernement, on a donc théoriquement
nouvelle impulsion politique en termes de soins de santé, qu'on peut espérer en rupture avec Maggie de Bloch, dont tu dénonçais la politique. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai à peine lu, moi, le bloc santé de l'accord de gouvernement. Est-ce que si tu devais résumer aux gens qui nous écoutent, selon toi, selon ton point de vue, l'accord de gouvernement, qu'est-ce que tu dirais à un ou deux points positifs dans la balance par rapport au dernier gouvernement et un ou deux points négatifs ou sous-entendu des choses qui doivent changer, qui pourraient changer en fait si on se bouge un peu, s'il y a un peu de contestation sociale ou si le ministre se met à écouter le secteur. Ok. Mais donc, un point positif, ça qu'on doit mettre en lumière, alors c'est peut-être parce que la vague du Covid est passée par là et donc du coup la santé a chopé le gros lot hein, par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'il y aura quand même un refinancement, un bon refinancement à hauteur de 2,5% au niveau de la norme de croissance. C'est ce que le bureau du plan projette en termes de besoins. Bon, alors là où c'est inquiétant, c'est que comme Maggie de Bloch a vraiment fait un gap et donc énormément d'économies, ben, on se demande si on va être dans des possibilités de développer des initiatives, des politiques nouvelles. C'est-à-dire que vous rattrapez un peu le retard. Rattraper le retard, ouais, voilà. On constate quand même que dans les orientations, dans les arbitrages, ben, un point positif, c'est qu'il accorde l'importance à la santé mentale. Or, la santé mentale, c'est aussi un peu le parent pauvre comme la prévention. Donc là-dessus aussi, on espère que c'est par exemple le métier de psychologue, mais aussi l'aspect déterminant sociologique de la santé mentale va pouvoir être pris en considération. Ils ne le mettent pas dans l'accord du gouvernement de concrètement comment ça va s'opérer, mais d'y avoir pensé, c'est déjà pas mal, parce que du coup, on se rend compte que le ministre a peut-être une philosophie plus proche de la première ligne de santé que ce que Maggie de Bloch pouvait être, parce qu'elle, elle était vraiment dans l'hospitalocentrisme ou le marché lucratif via le Big Pharma. Et donc, c'est sûr que la première ligne de soins sous Maggie de Bloch a été mis à mal, clairement. Et là, on se rend compte qu'avec Van den Broek, qui, par le passé, a déjà aussi revalorisé les médecins généralistes, c'est plutôt rassurant à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on constate que, alors qu'on vient de vivre une pandémie, on est encore dedans, qui a des impacts sociaux assez importants et qui sont inquiétants justement en termes de déterminants de santé, on constate qu'il n'y a pas une tendance à aller vers une réforme structurelle et un changement de mentalité dans la vision du système de santé. Donc, on n'observe pas, par exemple, une orientation vers une prise en charge plus holistique des patients. Donc, holistique, ça veut dire justement prendre en considération tous les déterminants de santé dont je parlais tout à l'heure. Okay. Dans l'accord du gouvernement, il parle clairement de lutte contre les inégalités sociales de santé, mais on a un peu peur que ça sont un doux rêve avec du vernis et puis en fait concrètement dans les faits, voilà. Moi, comme spécialiste de la santé, quand on parle de réduction des inégalités sociales de santé, ben, j'observe, tiens, quels mécanismes qui ont été mis en place dans l'histoire sociale du système de santé vont être renforcés. C'est par exemple le conventionnement des médecins. Donc ici, on observe le conventionnement des médecins, ça veut dire que les médecins s'engagent à ne pas pratiquer de supplément d'honoraires, donc à ne pas augmenter la part que le patient paye de sa poche. Donc ça veut dire que tu te pointes chez ton médecin, il te demande théoriquement 30 euros, la mutuelle t'en rembourse 25, et ce que tu payes de ta poche, c'est 5, mais dans d'autres cas, ça peut gonfler en fonction de la spécialité. Voilà. Et donc là, lui, il s'engage à rester à un prix fixe qui est négocié justement dans la concertation sociale à l'INAMI. Okay. Or, ici, ces derniers temps, on voit une augmentation justement du déconventionnement, notamment chez les dentistes, par exemple, c'est assez flagrant. Pourquoi est-ce que des gens... c'est pas une bête question, je crois que c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que des gens qui sont payés par la Sécurité sociale, au fond, décident de sortir, donc de prendre une part du gâteau qui est le remboursement? S'ils sont déconventionnés, est-ce que le patient a droit à une partie de ses remboursements ou pas? S'ils sont déconventionnés... Par exemple, je vais chez un médecin qui pratique des suppléments de renommée élevés. Est-ce que je reçois quand même les 30 euros ou les 20 euros? Oui, d'office. Oui. Donc ça, de toute façon, tous les soins, quels qu'ils soient, la part du remboursement, vous la recevez, mais le risque, c'est la part qui augmente, donc du supplément. Quelle possibilité il y a de faire pression sur ces...
Est-ce qu'il y a des blocs du corps médical qui font de manière systématique ce truc-là ou... Le conventionnement ouais, de, par non. exemple, sortir du conventionnement, oui, ça, vous avez quand même des tendances. Il faut savoir qu'en Belgique, le système de santé est quand même plus libéral, donc il y a peu de régulation aussi sur les pratiques. Donc le patient, autant que le prestataire, il y a une certaine liberté d'action qui fait, et notamment aussi dans la fixation des prix. Oui. Alors que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que si la santé c'est un bien commun, il faut que l'État joue son rôle quand même de régulateur, et notamment le dispositif de conventionnement qui avait été mis en place au moment de la construction de la sécurité sociale, c'était un dispositif intelligent qui donnait des droits aux professionnels mais aussi aux patients, et donc il y avait une concertation sociale démocratique autour de ces conventionnements, mais petit à petit vraiment tout ça ça se flexibilise et ça s'étiole de partout. Donc ça, toutes ces pratiques libérales, effectivement on ne le voit pas dans l'accord du gouvernement qui a une volonté de réguler ça, comme les suppléments d'honoraires à l'hôpital aussi. Et le report de soins qui est quand même de plus en plus inquiétant. Les chiffres sont inquiétants. C'est-à-dire que les gens ne vont même plus se soigner. Non, quand, okay. c'est, quand justement ce ticket modérateur, donc cette part que le patient paye, est trop élevée, ben, il y a des gens qui sont dans une telle précarité qu'ils ne sont plus en capacité et les soins de santé, du coup, deviennent secondaires. Or, ça devrait être prioritaire. Ok, bon, on va revenir sur ces enjeux-là juste après une petite vidéo. Enfin, en fait, donc on ne va pas faire semblant qu'on n'est pas au milieu d'une pandémie et d'une grave crise du coronavirus. Ça serait bizarre de ne pas parler de ça dans cette émission-ci. Au lieu de l'aborder directement ici avec toi, Fanny, j'ai interviewé tout à l'heure François Paul, qui est directeur à l'INAMI. Et je lui ai posé la question de savoir, on est au milieu d'une pandémie là maintenant. On apprend en marchant, entre guillemets, puisqu'on ne savait pas, on ne sait pas très bien ce qu'il fallait faire. Il faut avoir un peu l'humilité de constater que c'est difficile de lutter contre ça et que les faits scientifiques ne sont pas encore, ne font pas l'objet d'un consensus large sur toutes les questions, et donc du coup qu'on apprend. J'ai demandé à François, si on doit se projeter dans les prochaines semaines, mois, quelles sont les conditions qui permettraient, quelles sont les conditions minimales qui permettraient qu'on puisse réavoir peut-être pas la même vie que juste avant, mais qui puisse au moins vivre le plus normalement possible, sous-entendu, avoir des activités de groupe dehors, éventuellement des contestations sociales qui se remettent en œuvre, des manifestations. Il n'aura échappé à personne qu'une série de droits sont mis entre parenthèses pour le moment et que ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, quelles sont les conditions pour que cette série de droits indispensables pour une vie en société puisse être remise sur la table? Je dirais que la première condition, enfin la seule vraie condition pour qu'on puisse reprendre une vie complètement normale, c'est qu'on ait un vaccin et un traitement. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se faire de faux espoirs sur du court ou du moyen terme. À mon avis, avant la fin, le dernier trimestre 2021, on n'aura rien de définitif. Il y aura probablement déjà de la vaccination en avril même, et ce sera essentiellement les groupes à risque. Et donc, pour avoir une couverture vaccinale suffisante, une immunité suffisante et éventuellement aussi des traitements qui permettent d'alléger la pression sur le système hospitalier, je pense que le dernier trimestre 2021 est un bon terme et un terme raisonnablement optimiste. Alors avant, évidemment, il y a des choses à faire, des choses qu'on peut faire. Je crois que si on dit maintenant aux gens, vous êtes confinés jusqu'au dernier trimestre 2021, il va y avoir un pétage de plomb collectif. Et ce n'est pas du tout le propos que j'ai. Je dirais que dans une phase intermédiaire, ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à diminuer drastiquement le nombre d'admissions hospitalières. Je crois qu'il faut retourner à un chiffre de 10 à 20 admissions par jour, grand maximum. On tourne aux alentours de 400-500 pour l'instant. Donc, ça donne un peu l'effort à faire. Et une fois qu'on aura ça, il y a des possibilités, à mon avis, en termes de vie sociale et de déconfinement, mais à condition d'avoir derrière tout ça un système d'isolement des cas contacts et des cas... Il y a des personnes contaminées et contaminantes qui soient efficients. Parce que sans ça, on est reparti pour des cycles de deuxième, troisième vague, lockdown. Et je pense que la bonne perspective, malgré tout, c'est qu'on peut espérer pour cet été, enfin, c'est ce que moi j'espère pour cet été, de pouvoir avoir récupéré une vie sociale en extérieur plus ou moins normale. Je crois qu'avec l'arrivée du printemps, comme l'été passé, enfin comme le printemps passé, il est tout à fait envisageable
de nouveau avoir une vie sociale normale, mais à certaines conditions. Notamment, je répète, ce système d'isolement qui soit efficace, parce que si c'est pour maintenir un niveau d'épidémie où les gens sont contaminés, et quand ils sont contaminés, ils ne s'isolent pas, ils vont contaminer d'autres, c'est de nouveau partir pour des cycles qui sont assez difficiles à gérer. Et donc, voilà. Je pense que si on a ce système, si on a une discipline collective en termes de port de masque, etc., une vie sociale en extérieur est tout à fait envisageable pour le printemps. Pourtant, évidemment, que la situation épidémiologique suive une courbe positive. Le gros problème, ça va rester la vie sociale en intérieur. Là, il n'y a rien à faire. C'est très compliqué. Là, je n'ai pas de réponse satisfaisante à fournir, mais avant qu'on puisse reprendre une activité en intérieur qui soit pas réglementé en termes de ventilation, de port de masque, etc. Donc, un peu le type de protocole qu'on est en train de mettre en place, enfin, qu'on a mis en place à l'université et dans les écoles secondaires. En dehors de ce genre de protocole assez strict, je vois mal avant la fin de l'année 2021 comment on peut reprendre une vie sociale en intérieur qui dépasse vraiment des tout petits groupes de personnes, de 3-4 personnes, etc. Donc, vraiment, imaginer des colloques et des congrès, etc., avant le dernier trimestre 2021, ça me semble difficile. Re-bienvenue à tout le monde après l'intervention de François Perl. Pour situer, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on est avec Tout va bien, l'émission Unlockdown Live, où on aborde les questions de sécurité sociale et de santé pour parler des sujets dont on ne parle plus à cause du Covid, mais dont il faudrait parler dans les semaines à venir pour faire mieux au niveau de notre société. Alors, on est avec Fanny, on parle de santé et de soins de santé. Après l'intervention de François qui parlait de la nécessité d'avoir un vaccin et puis des perspectives qu'on peut dessiner quand même vu les conditions ambiantes, ils avèrent que ça risque de durer un petit temps cette histoire de coronavirus et qu'il y a donc des implications à la fois par rapport aux tendances de fond dont on discutait il y a quelques minutes, tendances de fond en termes de soins de santé et la lutte du coronavirus. Quels sont, selon toi, les enjeux là maintenant, dans les prochains mois, dans les prochaines années, en termes de soins de santé? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table en haut de l'agenda, selon toi, pour obtenir, entre guillemets, des avancées en termes de soins de santé? Peut-être que tu penses que c'était 2, 3, je ne sais pas. Fais-toi plaisir. Le ministre à ton oreille, là maintenant, il écoute. Le Covid-19 a quand même clairement démontré que la dimension de la prévention en santé était fondamentale. On va devoir gérer des pandémies pareilles à l'avenir. Et donc maintenant, ça peut plus être juste la cerise sur le gâteau qu'on observe dans les régions. Donc la prévention, c'est des politiques régionalisées. Non, il doit y avoir des financements structurels qui doivent être opérés pour la prévention. Et donc, du coup, ça veut dire une meilleure répartition du gâteau, notamment pour la première ligne de santé. Parce que la première ligne de santé, c'est celle qui fait de la santé communautaire, c'est celle qui connaît les environnements sociaux et écologiques de sa patientèle. Et donc, il faut pouvoir renforcer cette première ligne. C'est pas normal qu'encore aujourd'hui, il y ait tout un pourcentage de la population qui n'a pas accès à un médecin généraliste. Ça, c'est vraiment pas normal. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment y penser. Je pense que cette pandémie a démontré aussi qu'on était beaucoup plus efficace quand on avait des politiques qui étaient menées en cohérence et donc pas en silo, et quand les secteurs pouvaient se parler entre eux. Donc avoir une prise en charge socio-sanitaire beaucoup plus multidisciplinaire que par corporatisme de métier. Je pense que la crise va impacter encore profondément tout ce qui est santé mentale. Et donc ça aussi, il ne faut pas le prendre à la légère. Et donc pouvoir renforcer les politiques de santé mentale favoriser le bien-être de la population, c'est fondamental. Ça, c'est au niveau des enjeux plus macro. Évidemment, on parlait tout à l'heure du déconventionnement. Et donc pouvoir sensibiliser aussi les professionnels de santé aux droits liés à la santé, c'est fondamental. Mm-hmm. Et alors la lutte contre la marchandisation, évidemment, du système de santé, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que on voit de plus en plus apparaître des assureurs privés qui veulent s'en mettre plein les poches, et ça, franchement, si on compare notre système avec les États-Unis, on constate que toute cette marchandisation, elle a un impact vraiment négatif sur la santé, en fait. Ça diminue l'espérance de vie de tout le monde. Cette histoire d'assurance privée, c'est quoi ? C'est là, pour le moment, il y a des certaines poches du secteur des soins de santé où on n'est pas bien remboursé, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et donc, les gens qui peuvent se le permettre contractent une assurance privée, voilà, qui leur permet du coup de ne rien payer.
Mais donc, du coup, les assureurs privés ont intérêt à ce que ben, ça coûte moins en moins de trucs remboursés aussi, pour pouvoir avoir un marché de plus en plus grand. C'est ça, et ça coûte vraiment cher, ces assurances privées. Donc, même pour les riches, c'est pas spécialement avantageux. Mais en plus, on constate qu'en fait, les hôpitaux, pour pouvoir renforcer leurs recettes, ont tendance à multiplier les actes sur les personnes qui ont justement ce genre d'assurance. Alors que c'est pas du tout... Voilà, et je veux dire, la plupart des gens, quand ils rentrent dans un hôpital, ils n'ont pas envie qu'on triture leur corps pour faire du pognon, quoi. Enfin, si je peux utiliser ce genre de figure. Et donc, du coup, moi, j'aime bien aussi rappeler que, autant pour les riches que pour les plus pauvres, il y a un intérêt à créer beaucoup plus de solidarité parce que la santé, c'est un bien commun, c'est pas une machine à fric. Et donc, ça... ces assurances font en sorte que ça coûte plus cher, en fait, à la société. Quand on constate... Mais c'est pas si évident. Je veux dire, quand on écoute le discours ambiant plutôt à droite ou plutôt patronal, c'est privatisons, ça coûtera moins cher. Il faut juste regarder aux États-Unis. Vous avez vu comment la crise a été gérée aux États-Unis, c'était l'horreur. Il y a eu beaucoup, enfin, ça s'est vraiment mal passé. Eh bien, le système de santé aux États-Unis, il coûte plus cher au PIB, il coûte plus cher à la poche du patient, il coûte plus cher à l'État. Donc c'est une situation où tout le monde y perd. Voilà. Et donc, vraiment, ça, c'est au niveau des enjeux vraiment macro où j'invite les mouvements à faire de la convergence aussi. Ça concerne autant les féministes que les syndicalistes, que les mouvements d'éducation permanente, etc. Mais je pense qu'au niveau plus local aussi, c'est important de construire des alternatives en action qui peut-être paraissent très micro à la base, mais qui en fait démontrent à quel point des alternatives sont tout à fait possibles. Donc nous, on l'a créé il y a 40 ans au niveau des maisons médicales et on a encore un tout, tout petit secteur. Donc on a encore une histoire sociale qui va être très, très, très longue. Mais c'est pareil ici, quand je connais bien la profession des aides-soignantes. Par exemple, ces aides-soignantes, elles sont... fort représentées dans le système de santé dans la pratique, mais pas du tout dans les lieux de gouvernance comme à l'INAMI, etc., comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est des métiers qui sont... elles ont un rôle de première ligne de dingue. Je veux dire, si on n'avait pas les aides-soignantes ici, rien que dans la gestion de la crise, pour laver les malades, pour parler avec eux, pour les nourrir, etc., avec ce vieillissement démographique, on en aura vraiment besoin de plus en plus de ces professions. C'est des professions essentiellement de femmes, issues de l'immigration, et qui sont plutôt issues de milieux... populaire. Donc on est vraiment dans... tu parlais tout à l'heure que tout va bien est sensible à ces trois aspects, hein, rapport de classe, rapport de genre et lutte contre les discriminations raciales. Je pense que par exemple, une des militances intéressantes qui pourrait être construite, c'est constituer avec des aides-soignantes un syndicat professionnel pour qu'elles puissent faire entendre leur voix à l'intérieur de l'INAMI. Voilà, j'encourage les mouvements de lutte macro, structurelle, mais aussi les initiatives très, très concrètes comme ça en acte qui permettent de lutter contre les discriminations et de visibiliser des femmes qui travaillent souvent dans l'ombre et qui sont peu reconnues socialement. Ok, mais c'est notamment des syndicalistes qui nous écoutent, qui sont sensibles à tout ça. Et merci, je crois. Sauf si tu as quelque chose encore à rajouter sur les soins de santé, je crois qu'on va passer à la troisième partie de l'émission. Jingle, Nicolas, s'il y a moyen. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Oui. C'est bon, le jingle est fini. Il est court, ce jingle. Re-bienvenue à tout le monde. Jérôme, on est combien? On sent un tassement, hein. On sent que ça faiblit. Les gens vont dîner. Allez, les gens vont dîner, j'espère que... bien, que vous êtes quand même heureux en famille, que les personnes seules ne se sentent pas trop seules. C'est une période pas facile. On les salue, les aides-soignantes aussi, puisqu'on vient de parler d'elles. Vous faites un boulot de malade et merci à vous. On revient du coup à la troisième partie de l'émission. On a fait, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, on a fait un premier bloc avec Clarisse qui revient nous rejoindre. On avait fait un premier bloc sur la sécurité sociale avec comment ça fonctionne, les tendances générales. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à regarder tout ça. On a fait un point sur la santé avec Fanny. On a aussi regardé comment fonctionnaient les soins de santé, quelles tendances générales, et puis aussi quoi faire à court terme si on était au moment et qu'on avait des priorités. Fanny a parlé de la privatisation trop importante dans certains soins, du conventionnement, du déconventionnement qui est un problème, dès la première ligne à revaloriser de la santé mentale. Là, on va revenir
On va reprendre un peu de la hauteur et on va revenir au système de sécurité sociale général, donc pas que les soins de santé. Et on va parler des enjeux futurs autour de la sécurité sociale. J'ai préparé, Clarisse, ici. J'ai été imprimé sur le site de la Fédération des entreprises de Belgique. Oui, des amis à toi, hein, en tout cas des interlocuteurs à toi. J'ai imprimé un dossier qu'ils avaient préparé il y a quelques années, il y a deux ans je pense, ou un an, sur les 75 ans de la sécurité sociale. Ils avaient préparé un dossier intitulé « Un autre modèle pour la sécurité sociale en 2030 ». Moi, je trouve toujours ça intéressant de lire d'autres points de vue, des points de vue opposés par rapport au nôtre. Je vais lire des morceaux que j'ai soulignés en fluo. J'invite les gens qui s'intéressent à aller voir d'ailleurs sur le site de la FEB ce truc-là. C'est super intéressant. Donc ça commence comme ça, c'est « Notre sécurité sociale est célèbre à l'étranger, mais jusque quand pourrons-nous continuer à financer ce modèle hors de prix ?» C'est le chapeau d'introduction. Puis un petit peu plus loin, I quote de nouveau, donc il parle du fait que c'est financé par cotisation sociale, comme tu l'as dit. Et je recite « Les cotisations sociales sont prélevées sur les salaires et sont la principale source de financement de la Sécu. Comme c'est le cas, la main-d'œuvre est onéreuse dans notre pays. Le talent, notre seule matière première, est très coûteux. » Je ne sais pas si les travailleurs qui nous écoutent se perçoivent comme des talents et comme un puits de pétrole à exploiter, mais voilà, toujours plus loin. Les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas menacer notre tissu économique. Il n'est pas envisageable que le financement, sous-entendu de la sécurité sociale, suive aveuglément et inconditionnellement les dépenses. Je peux continuer comme ça un peu longtemps, mais je vais pas le faire. Le dossier, en gros, la trame du dossier... Et de suggérer ceci, je pense, je ne trahis pas la pensée, c'est la sécu est importante pour eux, ne le dis pas parce qu'ils sont interlocuteurs sociaux dans la sécurité sociale, mais de leur point de vue, elle coûte trop cher parce qu'ils doivent payer des cotisations, comme tu le disais au début. Et donc du coup, il y a deux possibilités pour eux. Soit d'un côté, il faut payer moins de cotisations pour favoriser l'emploi, et de l'autre côté, il faut dépenser moins, donc probablement faire passer vers le privé, vers les assurances privées, les pensions, les soins de santé. Quand je reprends les mots de Fanny tout à l'heure qui disait « La santé chope le gros lot avec le nouveau gouvernement », est-ce qu'on ne va pas s'attendre, là maintenant, dans les années à venir, à ce que les pensions ne chopent pas le gros lot du coup, l'assurance chômage ne chope pas le gros lot tout court, et d'autres secteurs de la sécurité sociale qui risquent de ramasser alors que la santé a été valorisée? Est-ce que face à tout ça, toi, enfin, je ne vais pas te demander de répondre point par point à la FEB, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant là pour les gens qui nous écoutent, mais plutôt de donner un contre-point de vue, et puis les gens se feront leurs idées propres sur base des deux modèles. Quels sont pour toi les enjeux en termes de sécurité sociale? Qu'est-ce qui peut être gagné? Qu'est-ce qui doit être gagné d'un point de vue de travailleur ou de travailleuse, d'un point de vue progressiste? Quels sont les principaux enjeux en termes de financement de la sécurité sociale et en termes de prestations sur la sécurité sociale? Ouais. Bon, d'abord, il y a quand même deux choses que je voudrais un peu déconstruire dans ce petit discours. Donc, je peux pas m'en empêcher. Première chose, c'est dire, la sécu, ça nous coûte cher. Mais c'est exactement ce que Fanny vient d'expliquer tantôt. Hein. Si on prend par exemple l'exemple des soins de santé, soit on décide de le gérer collectivement de façon solidaire via la sécurité sociale, soit on va chacun contracter avec notre salaire net une assurance privée qui probablement va nous donner des soins de moins bonne qualité, qui va nous coûter plus cher et qui sera beaucoup moins solidaire. Donc c'est faux de dire, tout d'un coup, en fait, on a l'impression dans le discours de la FEB que si c'est géré par le public ou de manière collective, ça nous coûte cher, et puis tout d'un coup, si ça passe par le marché, ça nous coûte plus d'argent. Mais enfin, c'est faux, hein, on paye toujours autant, enfin une partie même sans doute plus importante de notre salaire si c'était géré par des assurances privées que si c'était géré par la Sécu. Mais ça veut dire que si on diminue les cotisations sociales, les gens auront probablement plus de net en poche. Enfin, je me mets dans la tête de la FEB, c'est ça qu'ils disent, non? Ouais, mais donc, si pour l'instant, les politiques du gouvernement Michel, quand elles ont diminué les cotisations sociales, on n'a pas reçu le salaire net en poche. Hein, c'est le patron qui a reçu plus d'argent. Et soi-disant, avec ça, elles créent beaucoup d'emplois. On aimerait bien toujours voir où sont les emplois qu'ils ont créés avec ça. Donc, c'est pas sûr qu'on ait plus de net en poche, mais même si on a plus de net en poche, ce que disait Fanny, c'est qu'en fait, au final, ça nous coûte plus cher parce que ben, les assurances privées, elles doivent se faire du profit là-dessus. Et donc, il y a aussi une part qui doit aller rémunérer le capital, alors que dans la Sécu, ben, en fait, il n'y a pas de capitaliste à aller rémunérer, quoi. Donc, ça nous coûte moins cher, c'est plus solidaire. Donc, cette vision de la Sécu, ça nous coûte cher, c'est simplement un choix politique de comment est-ce qu'on gère les soins de santé, les pensions ensemble. Mais tout d'un coup, si on ne gère plus par la Sécu, c'est pas parce que ces coûts-là ne disparaissent pas de l'économie, quoi.
Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'ils disent que ça nous coûte cher. Et donc, oui, que le travail coûte trop cher et qu'il y a trop de cotisations sociales. Le talent coûte trop cher. Alors ça me fait quand même fort rigoler parce que quand on regarde les richesses qui sont produites en Belgique, donc on peut un peu répartir le gâteau des richesses entre la part qui va aux travailleurs. Donc ce qui va à nous, c'est notre net plus toutes les cotisations sociales et ce qui va au patron, au capital. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis les 20 dernières années, la part qui va aux travailleurs tend à diminuer au profit du capital. Donc moi, j'ai envie de leur dire, mais ce qui coûte cher, ce n'est pas le travail, c'est le capital, en fait. C'est de rémunérer les actionnaires, c'est les dividendes qui sont en train d'exploser. C'est ça qui coûte cher au collectif et à la société, quoi. Donc voilà, ça, c'était pour déconstruire quand même les petits arguments de la FEB, parce que j'aime bien faire ça. Alors, sur quelle vision on peut avoir de la Sécu pour plus tard quoi. Oui, pas de problème. Je pense au contraire de la FEB, la Sécu, elle peut pas être vue comme simplement une variable d'ajustement budgétaire. Donc en fait, on a des prestations, on a des besoins qui doivent être rencontrés, et le but de la Sécu, c'est de pouvoir couvrir ces besoins-là. Et donc si en fait on a une population vieillissante et donc pendant un moment on va avoir les pensions vont être plus importantes, ben il faut pouvoir les financer parce que sinon les gens vont tomber dans la pauvreté et ça c'est pas un truc qui est possible, enfin qui est une possibilité sociétale pour nous quoi. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose sur le fait de, est-ce que si les soins de santé vont choper le gros lot, est-ce que les autres branches vont pas être définancées? Mais ça, c'est évidemment tout l'enjeu actuel, je pense, autour de la sécurité sociale et qu'on voit aussi dans l'accord de Vivaldi. Donc, en effet, les soins de santé ont été super fort refinancés. Les pensions, on parle beaucoup de la pension à 1500 euros net, etc., qui a été en partie refinancée. Et en même temps, on annonce une réforme des pensions qui va plutôt restreindre les conditions d'accès à la pension et donc probablement définancer le système des pensions. Est-ce que tu veux bien expliquer ça? Parce que je suis pas sûr que ça soit aussi clair que... Donc, dans le nouvel accord de gouvernement, ils vont augmenter la pension minimum à 1450 euros net en 2024. Donc, ça veut dire que pour le moment, gagner 1300, 1250, 1280 vont voir cet enveloppe. Vont voir leur pension augmenter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à la pension minimum, il faut une carrière complète. Une carrière complète, c'est 45 ans de carrière et que 3/4 des salariés et, à mon avis, 90% des femmes n'ont pas de carrière complète. Donc, ça veut dire qu'une énorme majorité des salariés ne remplissent pas cette condition de carrière complète et donc n'ont pas 100% de la pension minimum. Mais c'est quand même une bonne avancée de faire ça. Hein. Donc, c'est pas, je critique pas ça, mais la question, c'est que il y a une série de personnes qui, en fait, n'ont même pas droit à cette pension minimum et qui doivent pouvoir voir augmenter leur pension, quoi. Et donc là, il y a un réel enjeu pour le mouvement social, en fait, comme tu disais, quoi, de dire, ben, si, on reste dans une enveloppe fermée pour la Sécu, ben alors, si les centres de santé ont été refinancés, les autres branches vont être définancées et à nous de se battre pour qu'elles soient pas définancées et pour qu'elles puissent toujours, assurer les prestations dont on a besoin qu'elle le fasse, quoi. Alors peut-être parler aussi d'une autre chose, c'est sur la question une chose qu'on aimerait vraiment voir, c'est que les allocations de sécurité sociale puissent être au-dessus du seuil de pauvreté. En gros, là, c'est simplement l'idée de dire, bah, si on est tombé malade ou si on est au chômage, c'est pas de notre faute et donc on a droit à avoir une allocation qui nous permette de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Dans l'accord Vivaldi, on annonce qu'on va augmenter les allocations sociales en direction du seuil de pauvreté. Et en fait, quand on regarde quel budget est alloué à ça, c'est 616 millions. Or, le coût que ça coûterait, en fait, de vraiment les augmenter au-dessus du seuil de pauvreté, c'est 1,2 milliard. Donc, en fait, on a prévu plus ou moins 50% du budget qu'on aurait besoin pour augmenter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, ça, c'est aussi un vrai combat à mener, c'est d'arriver à ce que toutes les allocations puissent vraiment être augmentées au-dessus du seuil de pauvreté. Peut-être une dernière chose sur laquelle je peux insister, c'est la question de plutôt des différents statuts de travailleurs, notamment des travailleurs précaires, etc. C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années à... on a créé une série de statuts sur le marché du travail qui ne sont pas 100% des salariés, mais qui sont des travailleurs qui bénéficient, qui cotisent moins à la Sécu, enfin, dont les employeurs aussi cotisent moins à la Sécu, mais qui du coup bénéficient pas des prestations. Typique, les travailleurs Deliveroo, c'est souvent ceux-là qu'on prend comme exemple. En fait, eux, c'est des espèces de faux indépendants. S'ils tombent malades, s'ils sont au chômage, ils n'ont pas droit à toutes les prestations les de chômage qu'on a besoin. Aussi, les artistes. Et une série de travailleurs comme ça. Et donc là, il y a aussi un vrai combat à mener pour que ces travailleurs puissent bénéficier à 100% de la sécurité sociale et puissent du coup aussi y contribuer de manière équitable, quoi. Voilà une série de choses. Je sais pas, je peux continuer. Juste hein. Ça, c'est juste ça à gagner. Donc il y a juste ces trois points-là. Ah ben non, il y en a plein d'autres. Donc peut-être, je ne sais pas si tu en as d'autres, mais peut-être avant de conclure ou de voir s'il y a d'autres points, est-ce qu'il y a des questions dans les internets? Est-ce que sur les écrans virtuels, entre le spaghetti bolo et
le vendredi de rêve, quoi, les gens sont occupés à vivre chez eux, hein, où ils peuvent sortir, danser dans leur salon. Est-ce qu'il y a des questions sur la sécurité sociale et les soins de santé? Alors, il y en a, je peux en prendre deux. Clash, je peux t'en donner deux. Ouais, ouais. D'abord, il y a une première question sur le financement de la sécurité sociale qui est liée aussi à la santé de l'activité économique. Est-ce qu'on peut continuer à financer une sécurité sociale dans une économie sans croissance? Autrement dit, la croissance liée au productivisme actuel est néfaste à terme. Est-ce qu'on peut donc, du coup, imaginer un autre modèle économique avec la même sécurité sociale? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu veux d'abord répondre à cette question et je te donne la suivante après? Ouais, ouais, je peux donner une partie de la réponse, en tout cas. Enfin, donc, la question de la croissance économique... Donc, la sécurité sociale, comme on l'expliquait tantôt, c'est simplement une partie de notre salaire qu'on décide de mettre dans un pot commun. À partir du moment où on pense que les besoins en sécurité sociale augmentent, c'est vrai que c'est plus facile si la croissance augmente aussi, parce que comme ça, la part du gâteau qui va à la sécu ne doit pas augmenter. Mais évidemment, on connaît bien toutes les néfastes de la croissance économique sur les questions écologiques et environnementales, et donc c'est pas tenable à terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on a un monde sans croissance? Ça veut pas dire qu'on crée plus de richesse dans une économie, hein, ça veut simplement dire que le gâteau n'augmente pas chaque année et reste stable. Et donc, si les besoins en sécurité sociale augmentent, ça veut simplement dire que le pourcentage de cette richesse qu'on va mettre dans la sécu va être plus important. Alors, est-ce que c'est un problème en soi? Ben, en fait, non, c'est pas seulement un problème en soi. La question, c'est est-ce qu'on a le rapport de force pour pouvoir arriver à ce que si... plus de richesse doit aller dans la sécu, ça veut dire qu'il y a moins de richesse qui doit aller ailleurs, notamment pour rémunérer le capital. Donc je pense que c'est avant tout une question de rapport de force qu'on arrive à avoir, plus qu'une question de faisabilité économique. Et sans compter que les nouvelles activités, ou les activités dont Fanny parlait, qui sont des activités de première ligne de soins, une aide-soignante, ou 1 000 aides-soignantes, ou 10 000 aides-soignantes, c'est de la création de valeur, c'est de la création de richesse. Elles sont probablement moins polluantes qu'une usine qu'on veut ouvrir de pétrole ou de gaz à Anvers. Et ouais, il y a des manières clair. De créer des richesses écologiquement plus soutenables que d'autres, probablement. Oui, ouais, tout à fait. Pour compléter, hein, je me permets. Moi aussi, je craque. C'est la fin de l'émission. Est-ce qu'on a une deuxième question, Jérôme? Il y a une deuxième question liée au logement. Le logement, c'est une matière régionale pour le moment. Est-ce que théoriquement, on peut intégrer le logement dans la sécurité sociale? Oui, bah ça, c'est une bonne question. Mais donc ça, si on veut dépasser un peu le cadre de... C'est vrai que la sécu, ça a été imaginé dans l'après-guerre, c'était il y a 50 ans. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a plein de nouveaux besoins, enfin de nouveaux besoins qu'on pourrait remettre dans la sécu. On parle du logement, mais on pourrait penser aussi au droit à l'alimentation durable, qui pourrait très bien être une nouvelle branche de la sécurité sociale, quoi. Donc en fait, ça, oui, on pourrait dire, le droit à un logement, ça pourrait être envisagé dans le cadre de la sécurité sociale. De nouveau, c'est en fait des choix politiques. Qu'est-ce qu'on laisse gérer au marché et un peu au chacun pour soi, et qu'est-ce qu'on a envie de gérer collectivement sur une base solidaire, quoi. Mais pour donner une image aux gens, ça signifierait que... Pour le moment, les gens vont chez Carrefour, Deleuze, Biscop et d'autres magasins et ils dépensent à la caisse 20, 30, 50 euros. Même chose pour leur logement, ils dépensent entre 500 et parfois très très cher pour des logements très très mauvais. On dirait, vous versez directement une partie de votre salaire dans un pot commun, tout le monde verse une certaine proportion et a le droit à un logement en fonction de ses conditions familiales ou à plein de critères à décider, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée. Le même fonctionnement que les soins de santé. Ouais, c'est ça. Donc pour l'alimentation, on pourrait dire on augmente alors en fait la part de notre salaire quand même qu'on file au pot commun, parce qu'il faut quand même le financer. Et chaque mois, on reçoit X euros à dépenser chez un maraîcher local pour financer l'alimentation durable, et en même temps que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité, quoi. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Voilà, sauf si tu as il y a plein d'autres choses, mais ce qui est intéressant dans les questions qui sont posées, c'est de dire que au-delà du fait de renforcer la sécurité sociale, comment elle fonctionne aujourd'hui, et qu'il y a une série de faiblesses qu'on voit et qui sont vraiment importantes des combats à gagner, je vous disais, augmenter les allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté, la question des travailleurs précaires qui n'ont pas droit, la question des pensions et tout, il y a quand même, je pense, aussi un vrai enjeu à penser la sécurité sociale pour le 21e siècle, quoi. Et donc à repenser des nouveaux enjeux de société qu'on pourrait financer par la Sécu de manière solidaire et à ce qu'elle puisse vraiment répondre aux enjeux, aux besoins d'aujourd'hui. Et ça, je pense que parfois, on a un vrai
vrai besoin à faire un travail là-dessus, de pouvoir imaginer ça, sortir parfois de notre vision très sécu, les travailleurs qui sont cotisés pour faire des mutuelles, ce qui est super, mais aussi de penser comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour à l'heure des défis d'aujourd'hui, quoi. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de conclure au-delà de la conclusion de Clarisse. Je tiens à remercier toute l'équipe technique, JB, Nicolas, qui ont sué des gouttes, et Brice et Caro, qui ont fabriqué un magnifique panneau « Tout va bien » là derrière. Je remercie Clarisse et Fanny pour leur intervention brillante ce soir, en espérant que les personnes qui nous ont suivis ont appris des choses, se sont intéressées un peu plus à la sécurité sociale et aux soins de santé, et on se retrouve... Non pas moi, mais je ne sais pas qui sera là. Benjamin sera là la semaine prochaine pour parler de... Climat et mobilité. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On revient tous les vendredis à 18h. Bonne soirée. Au revoir et merci. Un lockdown, un lockdown live.